Bonjour à toutes et à tous, c'est Suri Play pour le premier numéro du Suri Minute. Le but est très simple, vous résumer ce qu'il va falloir suivre en Overwatch League cette semaine. C'est parti! Le match à suivre de cette semaine n'est autre que nos chers Paris Eternal face au Boston Uprising. D'un côté, Paris Eternal revient avec la possibilité de voir enfin la jeune recrue Sparkle faire son entrée. L'ancien joueur d'Element Mystic est attendu par beaucoup de fans et d'observateurs, réputé pour être un joueur exceptionnel d'après ses coéquipiers. De l'autre, c'est un Boston revu et corrigé qui se présente. Avec l'arrivée de Punk en 9 tank, Boston a semblé plus à l'aise lors des playoffs du May Melee Tournament, et a même tenu Paris en respect, ne s'inclinant que sur le score serré de 3 à 2. L'équipe de la semaine n'est autre que les Vancouver Titans. Auteur d'un très gros match face aux Toronto Defiant lors du May Melee Tournament, l'on se demande tous si ces deux semaines de repos n'ont pas permis à cette jeune équipe de progresser. Même si Shockwave ne pourra pas jouer sa Echo durant les deux prochaines semaines, retrouver Toronto ne pourrait-il pas marquer le début d'un renouveau pour les Titans? Réponse ce week-end. Et le joueur de la semaine n'est autre que le bon Axal. Tout juste recruté par les New York Excelsior, le rookie de l'année 2019 avec les Vancouver Titans attire les regards sur l'équipe de la Big Apple. Avec un roster en or sur le papier, l'on a hâte de voir si l'équipe parviendra à le mettre dans les meilleures conditions pour performer et surtout avec qui il sera aligné. C'en est à présent fini de ce Suri Minute, merci de l'avoir suivi. On se retrouve samedi sur la chaîne française de l'Overwatch League pour regarder tout ça. C'était Suri Play, à la prochaine.